Hello les tupamis, j'espère que vous allez bien. Encore une semaine de confinement en plus qui vient de passer et c'est toujours l'occasion de faire une nouvelle recette. Alors aujourd'hui, c'est l'un de mes produits préférés qu'on va utiliser. C'est le micro-minute. C'est une cocotte minute au micro-ondes. Vous divisez votre temps de cuisson par 4 ou 5. C'est vraiment prodigieux comme produit et vraiment, vous gagnez du temps en utilisant ce produit. D'ailleurs, Kevin, dans son atelier, va en parler tout à l'heure. Alors, la recette du jour, c'est donc un chou rouge au thé Kusmiti. Donc, c'est un thé à base de pommes et d'hibiscus qu'on va agrémenter avec une saucisse de morteau et de la poitrine de porc fumée. Alors, 3, 2, 1, cuisinons tous ensemble! Le panier de course est composé d'un chou rouge, de deux pommes, d'une saucisse de morteau d'environ 600 g, 200 g de poitrine de porc fumée et du thé Aqua Exotica. Les principaux ustensiles utilisés: la balance précision, la spatule silicone, le micro-minute, la carafe à infuser et l'adaptarap. Pour commencer la recette, je vais peser 45 g de thé Aqua Exotica. Donc je vous rappelle que le thé Aqua Exotica est composé de 46% de pommes et de 25% d'hibiscus. Nous allons ensuite faire infuser notre thé à froid avec 1 litre d'eau que je verse dans ma carafe. Je vais mettre le couvercle et ça part pour une nuit au réfrigérateur. Et les Tupamis, je vous retrouve dans très peu de temps. A tout de suite! Je commence par éplucher mes pommes, puis je les coupe en quartiers, puis en tronçons. C'est au tour du chou. Alors je commence par effeuiller la première couverture du chou. Voilà. Je vais enlever la partie centrale. Je coupe encore une fois en deux. Et puis nous allons passer le chou rouge à l'adaptarap. Alors j'ai déjà ajouté mes pommes dans mon micro-minute. C'est au tour du chou rouge. Je vais trancher ma saucisse de morteau.
Puis je vais trancher ma poitrine de porc fumée. Puis je vais disposer l'ensemble par alternance dans mon micro-minute. Le dernier petit morceau, on va le cacher par ici. Et je recouvre avec le thé que nous avons fait infuser hier soir. À hauteur de mon chou. Voilà. Et c'est parti pour 28 minutes de cuisson à 750 watts au micro-ondes. Notre cocotte minute, enfin je dirais même plus notre micro-minute sort à l'instant de 28 minutes de cuisson. Nous allons lui laisser encore 15 minutes de repos. Voilà, nous allons donc laisser retomber la pression de notre micro-minute. Et il est maintenant temps de dresser notre assiette. Ça sent très très bon. Le thé est très présent. Je vais commencer par dresser la morteau avec la poitrine. Le thé à la pomme est très présent. Je pose délicatement quelques pommes qui ont bien infusé avec le thé Aqua Exotica. Et je dispose dans un petit ramequin à côté le chou. Et je n'oublie pas le thé. Et il reste à déguster. Et voici le chou rouge au thé Aqua Exotica avec la saucisse de morteau et les pommes. Bon appétit! Et bienvenue dans la famille de Kevin. Aujourd'hui, je vais vous présenter le micro-minute. C'est la cocotte minute de Tupperware qui va exclusivement au micro-ondes. Alors, vous avez le couvercle qui est top sécurité avec la baïonnette qui a un système de clapet pour fermer en toute sécurité le micro-minute. Vous avez également trois valves, une valve pour la régulation de la pression, une valve pour la sécurité et une valve ici pour la
qui vous indique la pression du micro-minute. En position basse, il n'y a pas de pression. En position haute, le micro-minute est sous pression. Vous avez également les poignées sur le couvercle et la base pour une bonne prise en main. Alors, quelques conseils pour une bonne utilisation du micro-minute. Pour la base, il faut bien remplir de liquide le micro-minute, comme indiqué à l'intérieur de la cuve. Donc, il y a un minimum et un maximum à respecter. Pour la fermeture, je vous montre, très simple, il faut mettre les deux flèches face à face, vous posez, vous fermez, et sans oublier de mettre la sécurité avec le clapet, ici, très facile. Pour le micro-ondes, il faut faire attention car il faut l'utiliser à 900 watts maximum pour une durée de 30 minutes maximum. Et exclusivement au micro-ondes. Après cuisson, il faut faire bien attention à ce que la pression redescende bien. Donc vérifier l'indicateur ici de pression qui soit bien en position basse. Pour l'entretien, c'est très facile. Vous utilisez de l'eau chaude savonneuse ou bien vous pouvez le mettre au lave-vaisselle car toutes les pièces vont au lave-vaisselle. Également le joint d'étanchéité, mais attention, si vous le lavez au lave-vaisselle, il faut bien le laisser à l'intérieur du couvercle pour éviter qu'il ne se déforme. Vous allez me dire, qu'est-ce que l'on peut préparer à l'intérieur du micro-minute? Vous pouvez faire par exemple une blanquette de veau, vous pouvez faire un poulet au curry, un colombo, et même la recette de Frédéric qui vous a montré juste avant. Si vous souhaitez commander, il est disponible sur tout le mois de mai, donc uniquement pour les hôtes et les hôtesses, à 99,90€ au lieu de 157,90€ avec le livre tome 2 Micro-Minute. Si vous souhaitez commander, donc tout le lien s'affiche en bas, vous pouvez nous contacter par téléphone ou bien avec le lien internet e-shop. Et merci beaucoup de m'avoir suivi et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel atelier de Kevin. À bientôt, Tony.